Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et après avoir packé le faux GOT, j'ai packé le vrai GOT. Donc je vous laisse découvrir tout ça avec du gameplay, avec le vrai GOT ainsi qu'avec le faux GOT. Coupe intersaison, un bon 10-0 pour finir FIFA avec les plus grosses cartes packées. C'est extraordinaire. Merci à tous qui regarderont la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis bonne vidéo et je serai en live tout à l'heure aux alentours de 17h30. Gros bisous à vous mes petits. Ouais. Productif que la première. C'est ce que je disais deux chaînes YouTube, c'est dur à gérer. C'est pour ça il va pas se reparler de Football Manager Kaba. Je vais faire FIFA et Football Manager quand il sortira. Voilà. Voilà ce que je voulais. Voilà. Putain, voilà. Voilà ma salope. Voilà, le GOT et le vrai, pas l'autre qui s'épile les sourcils, voilà. C'est tout ce que je voulais, y est, putain, ça y est, j'ai fini le jeu. C'est tout ce que je voulais, ma poufiasse d'y est. Voilà, les amis, ma team ultime, hein, ma petite team ultime. N'hésitez pas à me dire, les frérots, ce que vous en pensez. Après, bien sûr, c'est ma team ultime, mais je peux en avoir plusieurs de team ultime. Vu que j'ai Mohamed Salah, Pelé, j'ai du Mané, du Dembélé, j'ai du R9, j'ai du Saint-Maxime, hein, j'ai Rudiger qui est très bon en défense. Donc voilà, j'ai mis ces joueurs-là, mais des teams ultimes, je peux en avoir plein. Regardez mes remplaçants, j'ai du Dybala, j'ai du Ribéry, tout dépend. Une team prestigieuse, j'aurais pu mettre Zidane. J'ai le Alvarez qui est monté à 98. Bon, j'ai toutes les cartes du jeu, quoi. J'ai Marcelo, à part Mbappé et Ginola, j'ai toutes les cartes du jeu. J'ai du Ronaldinho, du Sergio Ramos, du Garincha, du Puskas, du Yashin, du Gudi, du Eusebio, du Puskas. J'ai énormément de cartes, quoi. J'ai énormément de cartes et parmi toutes les cartes que j'ai, voilà, je me suis fait une team multiple comme ça. Je joue en 4-3, que je ne vous dis pas une connerie. Je vous montre. Voilà, en 4-1-2-1-2. Ben, j'allais dire n'importe quoi. Je joue en 4-1-2-1-2, 3 milieux, MOC, 2 BU. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, de toute façon, au cours de la review de mon équipe, en coupe intersaison avec Messi, que c'est plutôt pas mal. Allez. Ça fait 10 ans, les gars. Les gars, vous avez remarqué que quand je joue pas stressé ni rien, les gars, sincèrement, vous avez remarqué que quand j'ai l'impression que sur le terrain, je suis nul, je gagne. Et frère, j'ai vu, il a liké un truc sur Nîmes en disant les supporters... Ils sont boycottés les supporters et tout, je suis ni moi frère. Donc Romain Molina il a fait à qui veut mais pas à moi, je suis ni moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis ni moi les gars. Mais si, je suis ni moi les frères. Allez, un autre gagné. Je joue pas cousin. Je te marque, hein. Aïe. Je me concentre, les gars. Oh putain, heureusement qu'elle est passée, celle-là. Oh là là, heureusement. Mais là, franchement, je suis content. Je montre vraiment mon vrai niveau en fin de FIFA. Quoi, je l'ai montré plusieurs fois, mais là, je suis vraiment bon, là. C'était pas lui. Oh là là. Les passes, les gars, c'est une horreur, ce jeu. C'est trop... C'est une horreur, les gars. Malour, là, c'est... Je joue bizarre. Je sais que je joue bizarre, mais je gagne comme ça, les gars. Désolé. En fait, j'ai voulu avancer,
Mais il avait activé sa fin de frappe, Ronaldo. Donc ça m'a décalé, mais Neymar a fait la peine. Bon, les gars, j'ai fait 10-0, hein. Les gars, après, voilà, si... les gars, amiops, prends-en de la graine, ma poufiasse.